à des échelles très basses, de l'ordre de 3. Encore une fois, ça nous amène à 24 dans le meilleur des cas, sur une échelle de 81. Le troisième secteur clé, c'est le secteur de la chimie, donc production d'engrais, production de matelas, production de casse pour les motos et ainsi de suite, donc production de toutes ces commodités-là. En termes d'impact, c'est l'amélioration de la productivité agricole, création de nouvelles chaînes de valeur, création également d'emplois. En termes de maturité, c'est très bas, parce qu'on n'a pas d'industrie chimique en Afrique, donc on n'a pas cette tradition d'industrie chimique. Le deuxième facteur qui est impactant, c'est que le cadre réglementaire également n'est pas approprié. Donc on se retrouve avec un indicateur global.